throat when you hear me. Cut throat when you hear me. Daily, don't cut throat when you hear me. Yo les gens, c'est Dire. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Sony Vegas. Donc, je vais vous apprendre comment faire des flashs noirs. Bon, je pense que la plupart des gens savent comment faire et qui se démerdent déjà très bien. Mais pour ceux qui veulent savoir à peu près comment moi je fais, vous allez savoir ça tout de suite. J'ai trouvé quelques petites techniques sympas. Donc, faut savoir que les flashs noirs, j'en utilise pas souvent. Ça s'utilise principalement dans les edits trickshot, mais bon, ça m'arrive aussi dans la feed. Donc, vous avez synchro vos clips, tout ça, donc voilà. Là, par exemple, il tire, ça fait boum, et on entend dra, poum. Enfin, on entend, il y a plein de petits tatata. Donc, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Donc, c'est une technique vraiment très simple. Il suffit d'insérer une piste vidéo par-dessus. Vous faites CTRL-MAJ-Q, hop. Vous la mettez par-dessus, en l'occurrence, voilà. Et vous allez aller dans générateur de médias. Couleur unisony, et vous allez prendre noir. Donc ça marche comme les flashs blancs, sauf que ce coup-ci c'est en noir. Donc voilà, paf, ça vous fait un écran noir. Donc avant toute chose, il faut être sûr d'être en 29 fps, que votre projet est en 29 fps, comme ça avec les flèches, vous pouvez vous déplacer plus rapidement comme ceci. Donc voilà, donc à partir du tir qui est ici, jusque, on va dire là, attendez, j'écoute. Ouais. À partir du tir jusqu'au moment où il recharge, je vais mettre des petits flashs noirs. Donc il y a plusieurs techniques. Il y a les flashs noirs rapides, les flashs noirs moyens et les flashs noirs lents. Donc on va commencer par les flashs noirs rapides, vu que là on a des rapides. Et pour chacune des trois versions, il y a les flashs noirs, on va dire, maximum et moyen. Enfin, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc c'est parti, donc flash noir rapide, c'est-à-dire que notre solide, on va le couper en plein de petits bouts. Donc on se déplace d'une image, on fait S, on se déplace d'une autre image, on fait S, on fait ça plein de fois, jusqu'à arriver à notre rechargement, qui était le marqueur là. La partie qui reste, on la supprime, et ça nous donne plein de petits bouts noirs coupés. On en sélectionne un sur deux, en partant du deuxième ou du premier, c'est pas grave. Tac, tac, tac. On peut sélectionner le dernier, c'est pas grave s'il n'y a pas de flash noir au moment du marqueur. Vous appuyez sur supprimer, tuc, et voilà. Comme ça, toutes les deux images, ça va vous mettre un écran noir. Regardez ce que ça donne, je vais enlever le son. Regardez ce que ça donne. Donc là, c'est des flashs noirs violents, c'est-à-dire les flashs noirs rapides au maximum. Je vais vous montrer maintenant comment faire pour, par exemple, les atténuer. Donc vous les sélectionnez tous, vous cliquez sur le premier, vous faites majuscule, vous cliquez sur le dernier, et vous allez en haut là. Là où opacité, et vous descendez l'opacité à peu près à la moitié. Vous voyez, enfin, le clip normal est comme ça, et là on va faire un petit flash noir genre à 56%, allez c'est parti. Et tous les autres bouts de solide seront à 56%, et là le flash noir sera beaucoup plus doux, regardez. On a l'impression, enfin, je sais pas, c'est plus vraiment des flashs noirs, on a l'impression que ça clignote en noir en fait, c'est très smooth, et ça j'utilise ça tout le temps en fait. Je fais des flashs noirs en baissant l'opacité pour que ce soit plus propre. Donc ensuite, je vais supprimer tout ça, je vais vous montrer, pardon, la deuxième technique, les flashs moyens. Donc je vais remettre l'opacité à 100. Donc les flashs moyens, c'est pareil que les flashs courts, mais que les flashs rapides, pardon, mais on se déplace de deux images. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tac, tac, etc. Voilà. On en sélectionne 1 sur 2, on supprime. Ça nous fait des flashs comme ça, donc des flashs un tout petit peu plus longs. Franchement, c'est à vous de régler quel flash vous voulez. En général, ce que je fais, au moment où la musique fait ta 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 et qu'on peut mettre des flashs, à chaque ta, je mets un flash. Et en général, il dure qu'une image, pour que ce soit très très clean. Tu vois, l'image passe un peu plus sombre juste d'un coup. Donc à chaque ta, je mets un flash. Donc en général, les tacs ne peuvent des fois pas être alignés. Donc genre là, il y a un espace de 3 images, alors qu'après il y a un espace d'une image, c'est pas trop grave, parce qu'au final ça fera quand même des clignotements. Donc pareil, si vous voulez pas qu'il soit trop fort, vous baissez l'opacité, genre on va mettre 51, et ça fait un truc comme ça. Voilà. Donc on va passer aux flashs finaux. Donc c'est les flashs, pardon. Oups. C'est les flashs longs. Donc j'ai appelé ça comme ça. Bon, je vais pas synchro avec la musique. Enfin, je ne sais pas du tout où ils sont. Où est-ce qu'il faudrait les placer dans cet edit, mais c'est pas grave. Donc vous prenez... ça va être
comme les flashs blancs. Vous prenez votre flash noir, vous déplacez, on va dire, de 15 images, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, bon, on va mettre 11 images, tac, vous coupez, vous avez votre solide noir, là, vous allez dans transition, vous appliquez n'importe laquelle, du côté droit, hop, vous supprimez l'effet, et voilà, ça fait un fondu normal, regardez, hop, machin. On va encore l'atténuer en partant du début, et en baissant, on va mettre, par exemple, 78, voilà, comme ça, c'est pas trop fort. Et ça, ce sont des flashs longs. Donc par exemple les flashs longs, vous pouvez les mettre à chacun de vos marqueurs en faisant CTRL-C, CTRL-V et vous choisissez bien sûr la deuxième option comme j'avais expliqué dans le tutoriel, créer une référence, tac, 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 oups, tac, 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 et là, ça va nous faire des trucs comme ça. Je vais en mettre encore plus parce qu'on va pas très bien, tac, 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 voilà. Voilà, ça fait des petites ombres noires comme ça. Bon voilà, c'était tout pour le tutoriel sur les flashs. J'espère que cette technique vous aura plu. Je vous dis à la prochaine les gens. Et n'hésitez pas à aller regarder mes autres tutoriels si ça vous dit. Parce que j'explique vraiment plein de trucs très importants sur Vegas. Et ça risque fortement de vous aider. Bon voilà, petite dédicace à Variety et à Zico. Qui sont deux de mes potes qui éditent sur Vegas aussi. J'aime bien leur travail, donc voilà. Allez, bisous les gens.